Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le signe des Scorpions pour le mois de septembre 2023. Donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi valable pour les ascendants et les signes lunaires en Scorpion. Donc n'hésitez pas à compléter les informations en regardant vos autres signes. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de septembre. Alors nous avons le message « La fiancée du géant vert ». Donc je vous montre cette magnifique illustration qui vous parle d'union, cérémonie, d'engagement, maturation d'une relation. Donc ici on voit vraiment une concrétisation qui va arriver dans une relation amoureuse. On peut nous parler d'une union, d'un mariage. Mais aussi, on voit vraiment une connexion très forte que vous allez ressentir en vous. On a aussi le chiffre 38. Donc, si on associe, on retrouve le chiffre 11. Donc, le chiffre 11, c'est un chiffre maître qui vous indique vraiment une période d'évolution au niveau spirituel. C'est une période importante d'ascension pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Guildeur de rêverie, le Normand. On va voir un petit peu ce qui va se passer. À la coupe, nous avons la carte du puits et nous avons la carte de la faux. Alors ici, on voit que vous allez pouvoir prendre des décisions importantes. Pour ce mois de septembre, ce sont des décisions sur lesquelles vous n'allez pas revenir. Avec la carte du puits, on voit que vous avez pu réfléchir, faire le point sur tous les domaines que vous vivez. Et on nous indique avec la faux que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Alors, je vais faire le tirage. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze et treize. Au dos du jeu, nous avons le cavalier. Le cavalier nous indique pour vous que vous allez recevoir des nouvelles, mais ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. En tout cas, le cavalier, ce sont des énergies qui vont bouger très rapidement. C'est aussi beaucoup de volonté, beaucoup de dynamisme. C'est un désir pour vous de passer à l'action. Donc, on voit vraiment des énergies qui vont vous porter pour pouvoir avancer. Alors, la première énergie, nous avons la carte de la tour. Donc la tour peut représenter un établissement, une structure. Ça peut être justement le fait que cet établissement va vous apporter des réponses. Mais on nous indique aussi que vous allez pouvoir prendre de la hauteur sur tout ce que vous vivez actuellement. Nous avons aussi l'ours. Donc ici, ça peut représenter une banque. Ça peut être aussi en lien avec des démarches au niveau financier. On voit aussi une acquisition, on voit aussi que vous allez pouvoir mettre en place un projet que vous avez au niveau matériel. Mais aussi, avec la carte de l'ours, vous allez ressentir beaucoup de force, beaucoup de détermination en vous. L'ours, ce sont vraiment des énergies très puissantes qui vont être présentes. C'est aussi une protection que vous allez ressentir tout autour de vous. Nous avons aussi le labyrinthe. Donc on voit qu'il y a pu y avoir des ralentissements au niveau financier. Mais on voit aussi que vous cherchez à trouver l'issue de cette situation. On voit aussi avec le labyrinthe que vous êtes passé par différentes étapes qui vous ont amené justement sur ce cheminement. Nous avons aussi la carte du pont. Donc le pont nous indique une transition importante qui va arriver pour vous. C'est le fait de passer d'une étape à une autre étape. Avec le pont, on voit aussi que vous allez mettre en place de nouvelles choses, vous allez pouvoir avancer vers l'avenir, vous projeter dans de nouveaux projets. Mais le pont, c'est aussi un événement important qui va arriver pour vous. Nous avons aussi les souris. Donc ici, je ressens qu'il peut y avoir un petit peu de stress, un petit peu d'appréhension, parce que vous ressentez qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Ça peut amener un petit peu de nervosité, un petit peu d'inquiétude. Mais on voit avec l'ours que vous allez pouvoir avancer malgré tout, que vous allez pouvoir trouver la force nécessaire pour mettre en place de nouveaux projets. Nous avons aussi le trèfle. Le trèfle nous parle d'une chance, d'une opportunité qui va se présenter à vous. Ça peut être un gain inattendu. Ça peut être aussi quelque chose qui va arriver soudainement.
Donc, on vous invite à ne pas laisser passer votre chance, à saisir les opportunités qui vont arriver à vous. On peut nous indiquer aussi qu'il y a beaucoup de changements qui se mettent en place actuellement dans votre vie et ça amène peut-être un petit peu de doute, un petit peu d'incertitude. Nous avons aussi la carte de l'enfant. Ici, on peut nous parler d'une chance qui est en lien avec un enfant. Ça peut être en lien avec votre enfant, un enfant de votre entourage. Mais aussi, la carte de l'enfant va représenter quelque chose de nouveau. C'est un nouveau projet, c'est une nouvelle énergie qui va arriver vers vous. La carte de l'enfant nous parle aussi de douceur. C'est vraiment une énergie avec beaucoup de tendresse, beaucoup de légèreté. Et on voit aussi que vous regardez devant vous, vous regardez vers l'avenir. Vous avez envie de mettre en place de nouveaux projets pour le futur. Nous avons aussi le vaisseau. Alors ici, on voit des déplacements. On peut nous parler aussi d'un grand voyage qui va pouvoir se concrétiser. Et on voit aussi une transition importante dans votre vie. La carte du vaisseau et de l'enfant peuvent représenter aussi des déplacements en lien avec un enfant. Ça peut être aussi un enfant qui avance, qui va pouvoir vivre une transition importante. La carte du vaisseau nous indique aussi qu'il y a peut-être un lien avec une personne qui vit loin de vous. Ou aussi, ça peut être une personne qui voyage beaucoup, qui est en déplacement actuellement. Nous avons aussi la loupe. La loupe nous indique que vous allez y voir plus clair. Ça nous parle aussi justement d'approfondir certaines choses. La loupe, ça peut être aussi le fait de prêter attention à chaque détail, le fait d'être attentif à chaque énergie. Mais on voit aussi avec la loupe que vous allez pouvoir recevoir des informations et éclaircir certaines choses. Nous avons aussi les poissons. Les poissons nous indiquent de nouveaux projets, nous parlent aussi d'abondance qui va arriver pour vous. On voit aussi que vous allez pouvoir approfondir certaines choses concernant un projet indépendant que vous avez. Nous avons aussi le cœur. Alors ici, on voit une relation amoureuse où il y a beaucoup de fluidité au niveau des émotions. Une relation qui est très intense, où vraiment les énergies sont fluides, sont guidées également. Et avec la carte du cœur, on voit que vous allez pouvoir partager beaucoup d'amour autour de vous. Nous avons aussi le soleil, donc on voit ici une relation qui va être bénéfique. On nous parle de bonheur, on nous parle de joie, mais aussi le soleil, c'est une réponse positive qui va arriver pour vous. Ça peut être quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu qui va se présenter à vous. Et nous avons aussi la carte de l'arbre qui nous indique que vous allez retrouver une stabilité importante. Cette carte nous montre aussi que vous allez avoir envie de vous ressourcer intérieurement. Mais je ressens aussi que vous allez avoir des réponses par rapport à vos vies antérieures, par rapport à quelque chose que vous avez traversé dans le passé. Ça peut être aussi en lien avec vos ancêtres. Dans le tirage ici, on voit vraiment une relation qui va être durable, qui va évoluer dans le temps. Ça peut être aussi un lien qui dure depuis longtemps, peut-être depuis plusieurs années. On voit aussi une situation au niveau financier qui va pouvoir s'apaiser. On nous parle de bonheur, on nous parle de joie dans vos finances. On voit aussi que vous allez pouvoir y voir plus clair. On nous parle de stabilité, d'équilibre dans vos projets. On a également un nouveau projet, peut-être un projet indépendant, peut-être le fait de vous mettre à votre compte. Et avec la carte du pont, il y a une transition qui va arriver dans votre vie. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Alors, je vais continuer et on va voir les messages avec l'oracle de Yolidin. Alors, à la coupe, nous avons la rigueur et nous avons la carte de la méditation. Donc ici, on nous parle de méditation, on nous parle de lâcher prise, où vous allez vous sentir aligné avec tout ce qui vous entoure. Avec la carte de la rigueur, on voit que vous allez vous sentir protégé. On voit aussi avec cette carte qu'il y a un éveil important au niveau spirituel, des messages, des éclaircissements qui vont arriver pour vous. Alors, je vais faire le tirage.
Au dos du jeu, nous avons la carte de la clé. Donc ici, on voit de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous. La clé, ce sont des solutions qui vont arriver. C'est aussi une proposition. Ça peut être aussi une aide, un soutien que vous allez recevoir. Alors, nous avons la carte du message. Nous avons la trahison. Nous avons la conception. Nous avons l'automne, la rigueur. Nous avons le cadeau, l'amitié, le voyage et nous avons la carte de l'assistance. On a un message ici, on a un message important qui va vous apporter des éclaircissements par rapport à une trahison qui a eu lieu, par rapport à des non-dits qui ont pu être présents. On voit aussi des cadeaux de l'univers, on voit aussi peut-être un cadeau qu'une personne va vous offrir. Et la carte du cadeau nous parle aussi de récompenses qui vont arriver pour vous. Nous avons aussi la période de l'automne. On voit que pendant cette période, vous allez vous sentir protégé, vous allez vous sentir guidé par rapport peut-être à une situation où il y a eu des blocages, où il y a eu peut-être une trahison qui a eu lieu. On voit aussi une relation amicale qui va pouvoir avancer. On peut nous parler d'une relation à distance, peut-être avec une personne qui vit loin de vous. Et cette carte nous indique aussi une personne qui va vous soutenir, une personne qui va vous apporter son aide. On peut aussi nous indiquer pour vous que vous allez recevoir une surprise de la part d'une personne qui vit loin de vous ou d'une personne qui est actuellement en déplacement. Nous avons aussi la conception. Donc, la conception, c'est quelque chose qui va pouvoir évoluer, qui va pouvoir grandir de plus en plus. Ça peut nous parler d'un nouveau projet que vous allez pouvoir mettre en place. On a quand même cette énergie très forte qui ressort au centre, qui vous indique vraiment que vos guides, l'univers, sont à vos côtés pour vous permettre d'avancer sereinement. On voit un message, on voit une information qui va arriver pour vous. C'est quelque chose qui va être comme une surprise, comme un cadeau. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de soulagement. On voit aussi de nouvelles idées qui sont présentes. La carte du cadeau nous parle aussi d'une personne généreuse, d'une personne qui est à l'écoute, qui est présente pour vous. Et on nous indique aussi que vous allez pouvoir demander de l'aide, vous allez pouvoir vous sentir soutenu. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Alors, on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Alors, à la coupe, nous avons la carte du oui et nous avons la carte des enfants. Alors ici, on nous indique au niveau amoureux qu'il va y avoir une réponse positive qui va arriver pour vous. Ça peut être aussi le fait de partager de nouvelles choses avec la personne de votre cœur. On a aussi une période de 3 mois qui va être importante pour vous. Cette carte peut aussi nous indiquer que c'est en lien avec une personne qui a des enfants ou c'est vous qui avez des enfants. Alors, je vais faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la gestation. On voit ici qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer au niveau sentimental. Il y a une relation qui grandit de plus en plus, de nouvelles énergies qui vont arriver. Et justement, on a le mois de septembre, donc vous êtes totalement aligné avec le moment présent. Alors, nous avons la carte de l'équilibre. Nous avons la montagne, le féminin, le oui. Nous avons la carte de l'union et nous avons la carte des clés. On nous parle d'équilibre dans une relation. On voit des solutions qui vont arriver. Vous allez vous sentir aligné à votre destin, à votre cheminement de vie. On peut nous parler d'un mariage, d'une union qui va se concrétiser. La carte du féminin peut vous représenter si vous êtes une femme. Ça peut aussi représenter la personne de votre cœur. Mais je ressens avec cette carte beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Le fait d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. On voit que vous allez pouvoir dépasser des blocages qui étaient présents. Vous allez pouvoir trouver des solutions. On nous indique aussi que vous attendiez une réponse depuis longtemps qui va pouvoir arriver pour vous. On voit aussi qu'il y a un équilibre entre votre mental et vos émotions. On a vraiment ce symbole qui ressort ici, qui vous indique que vous allez pouvoir retrouver la stabilité dans votre vie amoureuse.
On voit aussi que la personne de votre cœur se sentait peut-être bloquée dans une situation, avait du mal à pouvoir avancer. Et on voit vraiment que des solutions vont arriver. La carte de la clé, c'est aussi en lien avec votre destin, en lien avec votre cheminement de vie. On voit vraiment ici que vous avez envie d'avancer vers des énergies positives. Vous avez envie de recevoir de l'abondance dans votre vie amoureuse. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Alors, on va voir aussi quel est le message des gardiens de la lumière. Alors, quel est le message pour vous? Nous avons Sana Kumara qui vous parle d'activation de la lumière. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir exprimer votre lumière autour de vous. Alors, quel est le message pour vous? Alors, on vous dit, vous êtes là pour éclairer le monde. Vous vous sentez peut-être bousculé ou débordé en ce moment. C'est parce que votre énergie magnétise les autres et qu'ils la veulent dans leur vie. Prenez le temps d'écouter votre voix intérieure. Rappelez-vous la lumière cosmique des cieux et attirez-la en vous. C'est uniquement ce que vous avez à faire pour inspirer le monde. Donc ici, pour vous les amis, on voit que vous avez la possibilité de répandre votre lumière autour de vous, mais on vous invite aussi à vous protéger des énergies des autres personnes parce que vous pouvez absorber énormément ces énergies. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre, plein de gros bisous et bien sûr, je vous dis un grand... Merci.